All right, we'll go ahead and get started. Layla, welcome back to Montreal. How does it feel to be playing back here again? Well, thank you so much for having me. I'm super happy to be back in Montreal. This is where, let's say, my tennis career started and where I grew up in, so I'm super happy that I get to come back here and enjoy the atmosphere once again. English questions, please, if you could just raise your hand. Yes, kind of over here. Hi, Layla. Hi. Last time you played in Montreal, spurred a great run at the U.S. Open. Mm-hmm. How does it feel to be back home? Do you feel like you can build some momentum here again? It feels good to be back home. The last time I played in Montreal, I was able to get some momentum going into the U.S. Open, and I think just being here gives me some good memories, and it's just going to give me some good vibes to get on court and enjoy my time playing in front of the crowd. Mm-hmm. Next question, English. Yeah, lately, your rankings dropped a little bit, but mm-hmm. Where do you think your game is now, and how difficult is it to schedule now that you're not automatically in the 1,000s? My ranking has dropped, which it's very, very unfortunate. But, you know, I think my game has been improving. The results aren't there, but every training session we're working hard. We're trying to improve as much as possible, and we do see an improvement. And that's the most important thing, because I'm still in a development phase. I'm still trying to get my game to a point where we feel confident that it's gonna bring me to the next level, and that's the most important thing. And of course, scheduling is gonna be hard, but we've managed it in the past. We've been able to play tournaments and get some results in the past, and we just gotta trust the process. Are you playing doubles with Taylor this week? Unfortunately, not. But I will try to play with my younger sister. Mm-hmm. Courtney, in the back. Hey, Layla. Hi. Just on the topic of it being in the development phase, what's the challenge at this point in your career of being in that phase? Obviously, it offers mm-hmm. offers a lot of opportunities in terms of improving your game, but I'm sure that there's, you know, some doubts sometimes that creep in about what you should do to develop your game. I think the challenge is that I'm very impatient and I want the results right away. But I have to learn to be patient and take it step by step. There are improvements in my game that I need to do. What are the priorities? What needs to get done short term, long term? And at the end of the year, my coach and I were gonna talk about it, and we're gonna see what are the goals for next season. Next question, Courtney. And then just that video of you and Taylor obviously went quite viral after Roland Garros. A lot of videos of you guys went viral, but after match point in the championship match. I'm curious what your recollection of that moment mm-hmm. was, and what kind of your reaction was to the reaction to people, because people seem to really find it quite inspirational. After the finals, it was very hard for me because I don't like to lose, and losing in a Grand Slam final is never easy. And Taylor saw that I was feeling down on myself and beating myself up a lot, and she came up to me and said, you know, everything is going great for us. Told me a lot of positive words, and that helped lift my spirit up. And then when I saw that, a lot of positive comments from fans, and the video actually went viral, it was motivating for me, because then I did feel like there was a lot of support for all of us, and they see that players do struggle with losses, and sometimes negativity affects us, but when there is positivity, it helps us to keep going and keep loving the sport for the way it is. Any more English questions before we switch to French? Yeah. Yes, that's the plan. Yep. All right, we will switch to French now. If you could just raise your hand. Yes, up front. Bonjour. Bonjour. Pat parlait tout à l'heure du classement. Jusqu'à quel point t'accordes de l'importance à ça, ton classement, puis jusqu'à quel point aussi... C'est déjà difficile de monter au classement une première fois. Tu as monté jusqu'au 13e rang l'année passée. De retravailler pour remonter de nouveau au classement, qu'est-ce que ça exige? Qu'est-ce que ça demande? Jusqu'à quel point on se concentre là-dessus?
Bon, depuis longtemps, je n'essaie pas de penser au classement, que je ne peux pas contrôler le classement. Il y a beaucoup de joueurs, joueuses qui sont là, qui font des bons résultats, ils gagnent des points, alors ils montent dans le classement. D'autres qui restent dans la même place. Alors, on essaie juste de se concentrer dans mon jeu. Et le classement n'est jamais la priorité. Bien sûr, on veut avoir le classement assez haut pour rentrer dans les tournois, voyager, planifier un peu plus facilement mon calendrier. Mais sinon, le classement n'est pas une priorité pour nous. Bonjour Léla, peux-tu nous parler de tes objectifs cette semaine, considérant qu'à Washington, ça a quand même bien été, donc jumelé avec le plaisir de jouer à la maison. Comment tu vois cette semaine, s'il te plaît? Bon, j'aimerais bien gagner le tournoi, comme toutes les semaines. Mais sinon, on va prendre ça un match à la fois. J'aimerais bien jouer en avant d'une foule assez pleine pour sentir l'encouragement et de m'amuser le plus possible à la maison. Il est important pour toi ce tournoi dans ta préparation pour le tournoi du US Open. Et quand tu regardes le calendrier, l'étape montréalaise, elle était importante pour toi dans ton année 2023? Oui, 100%. Le tournoi ici à Montréal, c'est très important pour moi, pas seulement parce que c'est ma maison, mais aussi parce que ça me donne une chance de voir où est mon jeu contre les meilleures joueuses au monde. Et je peux avoir quelques semaines de préparation après Montréal pour faire mes améliorations, pour pouvoir être prête à la US Open. Léla, qui dit maison, dit sœurette. Mm-hmm. Alors, j'ai vu, selon le programme d'entraînement, que tu vas t'entraîner avec ta sœur à 14 heures aujourd'hui. Quelle est la décision? Bon, est-ce que c'est promotionnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est simplement parce que c'est la partenaire que tu voulais pour t'entraîner aujourd'hui? C'est simplement parce que c'est la partenaire que je voulais entraîner aujourd'hui. J'ai pas vu ma sœur depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Alors, ça va faire du bien pour moi de jouer avec elle, voir ses améliorations, mais aussi pour sentir une balle différente. Elle est une très bonne joueuse. J'ai entraîné avec elle depuis longtemps et c'est elle qui m'a donné beaucoup de confiance dans mon jeu. Alors, ça va faire du bien pour moi de jouer avec elle. Est-ce qu'il y a un effet miroir, vu que vous ressemblez, mais qu'elle est droitière et toi gauchère? Un peu miroir, mais on a un jeu assez différent. Puis, je pense que c'est ça un peu la complication avec mon père, parce qu'il voit deux sœurs, mais deux sœurs complètement différentes. Alors, on essaie de s'amuser sur le court le plus possible. Question here and then here. OK. Bonjour, Léla. Bonjour. Pour poursuivre sur ta sœur, je lui ai parlé hier après son match. Mm-hmm. Et clairement, elle t'admire beaucoup au point où elle s'impose beaucoup de pression par rapport à ses résultats versus les siens. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour peut-être faire en sorte qu'elle mette ça un peu de côté? Bon, c'est difficile parce que je lui donne des conseils. Je lui dis que mes résultats et ses résultats ne sont pas importants, qu'on a un chemin complètement différent. Nous deux, peut-être, elle va prendre quelques années de plus pour atteindre ses objectifs ou elle va réussir ça maintenant. On ne sait jamais parce que nos chemins sont toujours différents. Chaque joueuse ici au tournoi, leurs chemins sont différents, mais on a pu persévérer. C'est ça le plus important, c'est de persévérer, de jamais perdre cette gare pour atteindre nos objectifs, nos rêves. OK, just a few more questions, one up front here and then two here. Bonjour. Bonjour. Vendredi, au tirage au sort, on a appris que les trois Canadiennes, toi, Bianca et Rebecca, vont jouer contre des qualifiés. Mm-hmm. As-tu une opinion sur le fait de jouer contre une qualifiée? Parce que certains peuvent penser que c'est plus facile, d'autres peuvent se dire ils ont déjà joué des matchs. Quelle est ton opinion là-dessus? As-tu hâte de savoir contre qui tu vas jouer? Comment tu vois tout ça? Est-ce que tu prévois jouer mardi ou lundi aussi, peut-être? J'ai aucune idée quand je vais jouer, mais ça va être un match très difficile. Tous les joueurs ici au tournoi sont des très bonnes joueuses, peu importe s'ils sont des qualifiés ou dans le tableau principal.
les joueuses ici ont mérité leur place. Alors, et les qualifier, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont eu les matchs, des matchs de préparation, on va dire, entre guillemets, préparation. Ils ont les nerfs du premier match sont partis. Alors, c'est ça la complication de jouer contre une qualifiée. Mais j'espère que ça va être un bon match. J'espère qu'on va avoir beaucoup d'encouragement de la foule montréalaise qui vont venir à nous encourager, tous les Canadiennes. Last two questions here and here. Bonjour, Léla. Bonjour. Il y a Venus Williams qui est là cette semaine. Mm-hmm. C'est pas la première fois que tu te retrouves dans un même tournoi qu'elle, mais est-ce que c'est encore spécial pour toi? Puis est-ce que c'est une inspiration pour une jeune joueuse comme toi de voir une femme comme elle à 43 ans qui est encore sur les courts? Oui, c'est toujours une inspiration de la voir continuer à jouer au tennis parce qu'elle aime le sport. Et c'est une inspiration aussi parce qu'elle elle a fait beaucoup de choses pour le tennis, pour les femmes du tennis, et je suis toujours contente de la voir jouer. Elle est très gentille, on parle quelques fois, puis elle m'encourage, elle me donne quelques mots d'inspiration pour ma carrière. Et aussi, je pense, Venus, pour être ici, elle a bien mérité sa place. Alors, je suis contente qu'elle peut, et elle a encore de la force pour jouer contre nous. Et c'est très difficile pour nous, les jeunes, de jouer contre elle parce qu'elle est une grande légende. Last question. Bonjour, Léla. Dans un même ordre d'idée, je vais te faire parler d'une autre grande joueuse, mais il y a Caroline Wozniacki qui s'en vient ici dans la salle après. J'aimerais juste savoir ce qu'elle a représenté pour toi quand tu étais petite et tes souvenirs d'elle, puis les interactions que tu as eues avec elle dans le monde du tennis. Oui, Wozniacki est une très, très bonne joueuse, une autre légende. je me rappelle avoir joué ici à Montréal. Elle m'a inspiré beaucoup comment se battre sur le court de tennis et courir à tous les balles, parce que des fois, elle retourne des balles qui a l'air impossible, mais elle les retourne, puis elle gagne le point. Alors, c'est une inspiration de la voir retourner au court de tennis après deux bébés, après de commencer sa famille. Alors, j'espère de la voir, parce que je ne l'ai pas encore vue ici à Montréal, mais j'espère de la voir et la féliciter. Et bien sûr qu'elle a eu un très bon tournoi. Thank you, everyone. Merci. Thank you. Merci.